Presidente, I think. Viva! I'll join now. Okay, join. Okay. And then give us an update if it's working. Comment on fait pour rejoindre ces parties? Il suffit de joindre le groupe Steam. Alors, t'as le groupe Steam et dedans, t'as un Discord en fait. T'as le lien d'un Discord sur le truc. All right, Ok, everyone's everybody's. in. Please do not leave, otherwise I will scream. Ok. Sousgear, can you make the draft, please? Looks like nothing. Okay, only Samaria, Rome, or the heck that is. I'll do it, I guess. Oh, no, Swiss is gonna do it. Yeah, this guy is doing it. Alright. Sorry. She was probably reading them. So it's deep game with 150 for the timer. Pangea with ban classical, general, and Barbaria ban. And barbs are off. Yeah, barbs off, yes. Alright, draft is up, guys. Yeah, draft is up. Wait, did we seriously not ban Australia? Oh my gosh, oh wait, I don't own Australia. Alright, I have Australia and I want to trade with someone. Yeah, I'll trade with you. You want good old America? Good old Arabia? I can swap too. I don't like either of those. If you want Persia or Russia. You want India or Congo? Pretty good saves. I don't know. Do I own Persia? Is Persia owned by everyone? I'll trade anyone. Actually, wait, hold on. I probably won't trade anyone. Yeah, I don't want Persia. Yep. I won't trade player 7. Yeah, player 1, I might trade with you, so just hold your horses. I'm gonna okay, look at everyone else's. Okay, I'm okay to trade. Do you want Russia or Persia? Right. Yeah, I don't own Persia. I might use Russia, but I'm not sure yet. I'm looking at everyone else's civs. Because I have a lot of power with this pick. Okay, bah moi j'ai joué Australie. Je pensais pas jouer Australien un jour. On va essayer Australie. Après, il y a la Gorgo qui est vraiment craquée, mais. Alright, yeah, I'll take Russia. On va prendre John Curtin parce que ce sera très rare qu'on l'aura. C'est souvent très ban. Et les gens veulent bien. Alors, comment ça se passe pour le dirigeant? En fait, on a banni des gens. On a ban Rome, Sumeria et Scythe. Et après, c'est un bot. On a demandé un draft pour 9 personnes avec ces 3 bans là. Et ça met 2 civilisations par personne. Par exemple, on a les Perses et la Russie. Le player 2 qui voulait changer a eu l'Australie et Gorgo. Why is Australia so broken? Someone answer me this. Because this is good sim city. And if you attack them, this is a problem. They have 100 production more. And you have. So 100 production. Okay. You have a Wait, good... so does anyone want to trade? With me? So, if you get declared war on, you get double production. Yeah, or if I liberate any city-states too, again, I get this bonus. And oh, wow. They have good... Liberate means you take a city-state, right? Yeah. No, no, I just liberate them. If someone takes city-states and you retake the city, you can just have 3 envoy, the only one with 3 envoy on it, and have the city-states Oh, so you make free. A city-state yeah. again? Yeah. Oh, that's cool. And you, if you do this, you can have this Alright. bonus for 20 turns. This is really huge, huge yeah. because if someone declares war on you, it's only for 10 turns of 100 production. But if they declare war on you and you just liberated a city state, then you get like 20 turns if you liberate city states, and 10 turns if you someone attack you. Does it stack? Like, can you get 200% press production? With what?
Ah, the two you bonus? Two. I don't think so. Oh, okay. I think, guys, we up. Before the game glitches out. And there's a nice special build who give you some bomb. By the way, because I gave you Australia, I think I have a nice reason to be friends with you, you know, if I ever spot you. Anyway. Yeah, maybe. Who knows? It's a deep game. Maybe against 200 goals, we can be friends. Per turn. Wait, what size of the map is this? Can you change the size of the map? Your chest for right, 10 people, and we are 9 on it. Alright, good. So it'll be a little more spread out. I like it. I don't like starting so near people. Premier ministre Curtin, vous aiderez l'Australie à surmonter de multiples défis et votre peuple ne sortira que plus fort. Alors, là on a franchement 4 bonus qui sont intéressants. Entre la production si on est attaqué ou si on est libéré une cité-état, c'est très fort. Habitation plus 3 pour les villes côtières, c'est très fort. Ça fait que toutes les villes côtières sont vraiment craquées. Les pâturages qui déclarent une bombe culturelle, c'est trop fort. Rendement plus 2 pour les campus, plateformes commerciales qui sont placés sur des terrains à très charmants. Et plus 3 si c'est époustouflant. Et en général, quand vous êtes à côté d'une montagne, c'est au moins charmant. Donc vous avez cumulé le bonus de la montagne plus le bonus du plus 2 ou plus 3. Ça a été nerf, c'était plus 2 plus 4 avant. Donc ça reste quand même trop fort. Et puis voilà. C'est un départ pas mal du tout même. On a beaucoup de collines. En plus on a des trucs pour faire nos aménagements spéciaux. D'ailleurs je sais même pas où il est. Loot back, on l'a dès le début. Je sais pas. En tout cas on est bien positionné. Yes, Pangea. Right, thank you. Est-ce qu'on va bouger? Je pense pas. On est très bien comme on est. Ouais, c'est très bien comme ça. Le problème, c'est qu'on a peu de nourriture. Got a really weird start then for Pangea. My previous game was with Egypt on an island. With no. Oh wow. And I was in a totally big island for me. I just make like 12 city alone. I just do my sim city alone all the game. That sucks. Sometimes I just like one tile to go on the big continent, but here, no one tile to go. I have to just farm alone. Yeah, my game is being annoying too. If I go into the side street, oh wait, never mind, it's fixed now. You say everything took 100 turns to do. That was probably before I built city, I guess. Yeah. Ouais, ça compte comme côtière. Je suis pas sûr d'ailleurs. Science, except for building a, what's called a campus and stuff. Pour les villes côtières. Ah non, côtière, est-ce que ça compte comme côte? Je sais pas, est-ce qu'on a chopé l'Eureka? Non, vie sur la côte, on l'a pas chopé. J'aurais peut-être dû aller là en fait. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai besoin d'un bon bonus au début de partie. Donc, ça, c'est un bon bonus, c'est une case à 2. Eh, en fait, on n'a pas tant de nourriture que ça. Bon, après, on va bourrer les. On va bourrer les colons, donc c'est pas un problème. Au niveau des. Alors, il faut juste que je vérifie mon camp de. Je sais pas quoi. Camp de Knookback, c'est pas ça? Comment ça s'écrit là? Australie. On va aller voir sur l'Australie, ce sera plus simple. Élevage de Lootback. Ça se chope quelque part? Ah, au guild. Ça se chope pas tout de suite en fait. Burritos, you having problems? What's happening? Ouais, ça chope assez tard quand même. Mais c'est pas mal sur les. Les casques comme ça. I'm still loading. Should be ready in a second. Ok.
Désolé pour le bruit, mais j'ai très faim. Juste manger des chips aujourd'hui, enfin des Pringles. Le problème, c'est qu'on manque de nourriture. En fait. Mais après, cette ville. Il faudrait que je prenne ça, en fait. Il faudrait ça avec une case à 2-2. Là, ça va gagner 1 de. Ah non, ça va gagner 1 de. Mouton. Right, I'll be right back. Plus 1 de nourriture. Et le pâturage, ça donne forcément un de production, donc. Quelques poneys. Alors, qu'est-ce que ça va prendre en premier? Pire case du monde. Au niveau du pétra, on est à 1, 2, 3, 4, 5. Une ville là, ça a l'air fort. Les diggers, ça se chope où? Ici. L'avantage, c'est que c'est pour se défendre, c'est ultra fort. 112 de puissance. Il me faut 200 de tours pour l'avoir, ça va. Science. Sorry, I just got back. Good night, tout à l'heure. C'est quoi massif favorite, le Congo et la Grèce, de manière générale. Ouais, c'est la première fois que je joue l'Australie en multi. Après, c'est tout est intéressant à jouer de toute façon. Hop. Ça m'embête un peu de pas avoir d'autres cases à deux nourritures. Il est fou ce chat. Bon, un petit état autour. On le verrait, sinon ce serait rouge. Faut que j'enlève le mode économie d'énergie. Toronto. On est les premiers à les voir. On va faire un campement. Ok. Alors c'est cool, c'est eux qui viennent à nous. Thank you.
I think someone has some problem to load the turns or something. Je me suis dit que là... Il y a un truc en haut là. Sûrement une cité état. On a l'air d'avoir de la place en bas en tout cas. En haut ça a l'air pas mal ça. Petite case sympathique. Alors je pars juste là-dessus parce que j'ai envie d'augmenter mes cases. J'ai envie d'être à 4, 2, 3. Et avoir cette case là. Sinon on va pas vraiment augmenter au niveau de... des habitations. Je préfère avoir des bonnes valeurs sur mes cases.
choper ça. Je sais pas si je dois acheter cette case ou pas. On va passer par un bon SimCity donc. Hop. Petit état autour pour l'instant. Peut-être aller attaquer Toronto. Je sais pas. J'ai pas envie de faire un scout supplémentaire. Là c'est craqué la ville. Il y a tellement de trucs à 3-2, 3-2, 2-2, 2-2, 2-2. Un Shizen ça là-dedans, c'est. Pouf. C'est godlike. Il y a beaucoup beaucoup de collines. Hein. Pas beaucoup de nourriture. 1, 2, 3, 4. On peut faire une ville là. Genre là. 1, 2, 3, 4. Et une ville là. C'est l'aspect positif, du temps. On est pas mal. Ah, il y a un truc là. Bruce vraiment pas trop là, il n'y a pas beaucoup de montagnes j'ai l'impression. Ok, c'est l'américain. Oh, il n'y a pas de rivière là, ça sert à rien d'aller voir. Plutôt aller voir en bas. C'est fort hein, ces cases là. Ok, ça c'est free pour nous avec une petite merveille. On va trouver le fer vite fait.
pas d'autres cités-états, j'ai l'impression. On trouve le russe. Hello Stallone, Sylvester Stallone, congolais. Merci ton follow, mec. D'avoir de la place. L'histoire naturelle. Wonder. Au niveau des tourismes, là, je me sens que c'est pas mal. Hein. Attrait, pardon. C'est quoi ça? C'est époustouflant? Oh non, peu accueillant. Époustouflant. Donc là, on peut mettre un super district. C'est parfait. On peut prévoir ça à plus 3. Alors, pas mal. On va partir sur quoi là? Partir sur un bâtisseur. Non, on va partir sur. Ah, le monument, j'ai déjà fait. Ouais, un petit bâtisseur. On va attendre de passer level 4. Ça a l'air vraiment pas mal. Le territoire qu'on a est pas mal. Allez. C'est vraiment fat ça. On va bien faire une ville là.
Alors, qu'est-ce qu'on a? Plus simple pour les camps. On a 1, 2. Plus simple de production pour les bateaux de pêche. On va prendre ça, il y a quand même pas mal de bananes. Et ça counter plus ou moins les autres. Ok, le mec est cool, il nous laisse sa place. J'ai eu le Reka ou pas hein? Ouais, il me reste un tour. Ouais, les squalas là. Ces deux villes là sont craquées pour faire des trucs super tôt. Ça commence très mal pour elle. C'est parti pour les petits colons.
On a énormément de villes là. On a énormément de villes, bien sûr, puisqu'on a sûrement quelque chose dans le coin. Là, on a une ressource de luxe donc. Je crois que j'ai oublié de faire un truc. Alors, faut une cité-état là, mais comment en trouver une? Voir en bas vite fait. Ivory River. Ivory River. Bon, juste attendre le colon là. Et à la roue. Oh, je mets full prod. Hein. Si on peut faire un aqueduc en plus, c'est pas mal. Il y a l'air d'avoir quelque chose dans le coin. On va prendre l'irrigation. J'ai terminé ma plateforme. Plus 3. Clairement plus 3 là. RIP. Center of the meme. Pourquoi j'ai si peu de production là? Non, je suis obligé d'avoir ça. J'ai pas de prod sinon. Pas de nourriture, pardon.
Ok, voilà que je parte là-dessus. Merde, il y a quelque chose là. Je pense que c'est le brésilien. J'arrive pas à voir. Cacao. Tu peux jouer, mettre ta ville à côté de, du riz, comme ça tu en as une autre, de la rivière. Tu veux que je la mette où? À côté du riz, je l'ai mis là, ouais. Mais je peux pas la faire près de la rivière. Enfin, je peux en faire une là. Mais je vais la faire là. Là, cette ville est vraiment forte. 3-2, 2-2, 2-2, 2-2. À part à 2-2 en plus. Cette case à 3-2, c'est parfait. Nice! On en est à combien de cités états-vues là? 2 pour l'instant? Je crois qu'il y en a une en bas là. Là, il y a quelque chose là. Je vais descendre par là. No city states. Parce que là, il me reste combien de temps pour aller à trouver les city states? 4 tours. Ce serait pas mal. Enfin, 5. Grosso modo. Pareil, ici, on va être à 3-2, 3-2 avec une autre case à 3-2. Avec des bananes qui vont être sympathiques. Il faudrait que je fasse une pyramide avant la féodalité. Ça donnerait des gold aussi de faire les bananes. Commencer la ville là, hop hop. 2, 2, 1, 3, 2, 4. Ça
ça va redescendre un peu. Je construis mes colons très très vite. Et pour l'attrait, on en est où là? Là, c'est pas mal. C'est charmant, donc c'est à 4. Ah mais il me bloque lui. On va passer par là. Là mais est-ce que c'est un mec ou c'est une cité-état? Alors, qu'est-ce qu'on chope dans la ruine? De l'expérience. Un petit colon. Allez, Soon, il arrive à bon port. Absolument rien en bas. Alright, I'm about to lose my third city. I mean, my second, my 2 out of 3 cities. Yeah, so you can leave, so. Alright. Oh, by the way, America's a warmonger. America sucks. Don't trust him. He's stupid, ugly, and he's probably losing a bunch of gold because he has so many units out. So yeah. See ya, bye. No, I haven't died yet. Oh, okay. Nice. Buenos Aires. All right, that was really anticlimactic. See you guys later. Bye. All right, see ya. See ya, dude.
grande surprise, le... chose en haut là. C'est le Japon.
Je sais pas sur quoi aller. Est-ce que c'est pas mieux d'aller là? Un, deux, trois, quatre, du coup je fais plutôt la ville ici. Et je la fais l'autre là. Ouais, je pense que ça a l'air mieux. Ouais, on va faire ça comme ça plutôt. Ouais, c'est celle-là. On voit des deux cases pas si mal. Continue les colons. C'est legit. Je vais faire un petit bâtisseur quand même avant. Des reconnaissances. Je vais voir ce qui reste là. On a découvert Lisbonne. Ce qui est pas trop mal. C'est la fin de la map là. On va aller voir Robot. Influencé par Suskill. Inspiration pour formation militaire. Raser un camp barbare, s'il n'y a pas de barbare, c'est compliqué. On va prendre la tech. Hein. Ça nous permettra de la passer. Beaucoup de toundra. Hein. La map, la grosse étendue de neige toundra au bot. Les Russes se feraient tellement plaisir, surtout sous cette ville-là. Malheureusement, rip. Au moins, on n'est pas dernier cette game. Can someone teach me French quickly? Ok, baguettes. But if you have any question, Devil Whipper, I can answer you. It's not a problem. It's just about the game, but the language of the stream will be French. Sorry for this. Donc elle a 158 gold pour l'instant, c'est pas si mal. On prohibite toujours les districts, c'est bon. Je vais aller là ou là? Là plutôt. Il reste plus trop de ruines là, je crois. Je crois qu'on a fait le tour des ruines. Du pâturage parce qu'il a pris comme panthéon. Comment Source Gear il peut être autant, autant en avance?
Après la quête de Lisbonne. Formation militaire. Allez, monument d'abord. Non, il reste pas trop de. Je sais qu'il n'arrive pas. Follow, un Allemand. Steven Kiu, 1992. Merci de ton follow. Je pense que tu dois être un mec de 1992 du coup. Comme moi, peut-être.
merde, j'ai fait j'ai fait ça pendant un tour. Pas mal ça avec le Brésil. Il a pas mal de villes, il a déjà pas mal de points. Ouais, il a J'ai du mal santé, j'ai pas pu avoir la réponse. La dernière question, pourrais-tu m'expliquer pourquoi tu arrêtes le jeu? Ce qui ne te plaît plus. Voilà, je suis en train de pas mal jouer parce que j'ai du temps. En fait, un des gros problèmes, c'est que ces chronovores, les parties sont assez souvent les mêmes. Là, après, ça va, les dernières parties, ça s'est plutôt bien passé. Mais je trouve que le jeu, en fait, c'est souvent la même chose. En fait, il y a vraiment qu'une seule voie qui est viable, c'est de faire des campus et des comptoirs commerciaux. Je trouve que le jeu est assez monotone au niveau de ça. Du coup, c'est pour ça que je disais ça. Que je voulais peut-être arrêter le jeu. Là, pour l'instant, je suis quand même une chance. Quelques trucs qui changent, mais vraiment trop peu. C'est pas mal qu'ils ont équilibré les... Les plantations qui donnent plus 1 de gold en plus, c'est pas mal. Enfin, dans le cas précis, ça nous arrange pas mal d'ailleurs. Faut vraiment que je fasse à Shizensa ici d'ailleurs. Dans cette ville. Ce serait plutôt gold-like. Pyramide pourrait être pas mal non plus. Non, je vais aller là, ça a l'air mieux en fait.
Ok, on est pas mal. Melbourne peut faire son petit campus. Je vais aller là parce que là c'est quand même une bonne ville. Enfin, c'est une ville qui me permettra d'avoir deux ressources que j'ai pas. On va vers Canberra.
Il a été 9 tours. Ok, il a accepté. Alors, je sais pas si j'ai mis nourriture production et nourriture production. Alors, une là. Là, ça fait déjà 6. Ça fera 10 villes. Je pense que je peux en avoir plus en tuant Toronto. N'investissant pas sur eux. Construire un campement. Combien il y a de villes? Pour l'instant, il y a que 2 villes. N'est pas vraiment beaucoup. Commencer par un grenier, ça m'a l'air bien. J'ai plus 3 ici, très bien. Hop. Là c'est passé level 4, on peut faire le comptoir commercial. Il est assez dégueulasse. Mais bon, on va quand même le faire. Toujours au colon. Commencer le bâtisseur. 3, 4. C'est-à-dire que je peux mettre les deux comme ça. Je peux en mettre un autre après là. C'est une autre ville là, ça a l'air bien aussi. Hein. C'est dans la toundra, c'est assez moche. Putain, j'ai pas de. En fait, le problème, c'est que j'ai vraiment pas de nourriture dans ces villes. Une ville là, une ville là. On va faire ça comme ça. Ok, donc là c'est bon, on va commencer à construire. Un petit bâtisseur. Bien qu'on l'a très. On l'a quand même assez soon. Je veux dire open border up. Des émissaires pour l'instant. On va essayer les pipis, les pyramides.
On va attendre ici, on va faire un petit grenier d'abord. En 6 tours. Je ferai cette soie qui nous manque. Faut que j'investisse dans Lisbonne un jour. Oh, un empire sympa, hein. Alors, le chat, est-ce qu'il raconte quelque chose? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Du coup, on est bien. On a des villes. Japonais à 43 de science, par contre. Là, ça a l'air mieux en fait. Hello. Un Congolais. Mais non. Ime 27, merci de ton follow. Aimi, je sais pas ce que c'est. Alors, comment ça, on raconte rien? Ce genre de joueur qui snap les. Qui snap les premiers? Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'annonce, hein, j'annonce les faits. Le mec. Dominant science. Et pas qu'un peu. Après, je dis ça, je dis rien. Regardez les premiers, attaquez-le!
C'est pour ça que je préfère la diplomatie. Moi, j'aime bien. J'aime bien de raconter aux gens. La vérité. La question, c'est est-ce que je vais pouvoir rattraper. Il a l'air excellemment bien parti. Après, nous, il nous reste. Là, on va positionner 4 villes. Donc, on va là. Pour l'instant, je vois pas. Je préfère visiter vite fait avec ça, vu que j'aime cette île là. Parce que là c'est juste ouf le nombre de villes. Après nous on va avoir 3 de plus que lui hein, quand on aura fait nos 4 villes. Donc ça va, ça va. Ça dépend s'il continue ou pas. Je pense qu'il a encore de la place là. Hein. Je pense qu'il va, il va pas s'arrêter, il va continuer là. La question c'est... Oui, mais s'il a des cités-états. Genre, moi, je pose des questions et tout, il me répond pas, le monsieur. Quoi? Bah si. Comme ça, raconte rien. Bah, je sais pas. Ça parle pas. J'ai pas vu ton ta question, en tout cas, Terra Fox. Hein. Je remonte le chat. Tu me dis, comment ça, raconte rien? Et c'est la première fois que tu parles. C'est la première fois que tu causes aujourd'hui. Allez. Pouf. C'est par contre, c'est pas des super super cases. Directement partir sur un bâtisseur. C'est pic granitique. C'est assez chaud là ce qu'il a le mec. T'es obligé de trahir ma promesse et tuer le monsieur là. Après le Japon est ami plutôt avec tout le monde donc. Non, le brassage, c'est bon. On va pouvoir enfin se balader.
On est vraiment pas mal là. Il est chaud le mec parce qu'il a autant d'armées. Le mec a autant d'armées que lui. Après son territoire a l'air pas mal split. Hein. Ok, on a autant de villes pour l'instant. Moi j'en plante 3 bientôt là, mon petit gars. Allez, on n'oublie pas de changer la carte. Il est fou le mec, il est fou. Allez. Quoi? Ouh, je crois que quelqu'un a fait les pyramides. Don't dose estomé. Allez, on va prendre... 3 points sur Lisbonne. Ce sera fait. On commence les bâtisseurs. Non, la première ville entre en premier. Donc théoriquement. Et là, la prio. Théoriquement. Et nous on est free farming pour l'instant. Free farming. Avec des petits... des petits monsieur qui vont être intéressants là. À 6 charges. Avec les pyramides. Six charges ouvriers, ça va faire mal. Alors... Ah bah la question ne s'est pas affichée sur ton cellulaire, les gens en pourront t'ennuyer. Squalala, il a dit pourquoi faire autant de villes. Et pour la construction des bâtiments, ça va être gênant, plus tard je trouve. Bah non. Bah plus t'as de villes, plus t'as de districts en fait. Donc en fait, plus t'as de villes, plus t'es fort, grosso modo. Ok, 6 charges, c'est bien bon. Là on va faire commencer à faire des bombes. Des petites bombes. On va faire un colon pour la... Nouvelle ville.
Je peux pas te faire un grenier en fait là. On va peut-être prendre ça. On n'a pas encore deux districts, on va plutôt aller prendre les points pour l'instant. Allez, on va faire quelques bâtisseurs en plus quand même. Plus il y a de bâtisseurs, mieux c'est. Grenier, Napadana. Faire un bâtisseur, un de plus. Je vais faire ça pour le bonheur. On va acheter un petit bâtisseur à 155. Et on va partir sur un plateforme commerciale d'abord, plus 3. Il y a plus 5 là. Et le campus à combien du coup? Il y a plus 5 et plus 3. Plus 3, plus 3. On va le mettre là, on va avoir un plus 3,5 du coup. Hop, et on va partir sur un. Petit monument. Bâtisseur, on se tourne. On va aller voir en haut ce qui se passe. Après, on a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 villes. Parce qu'on avait la game d'avant. Allez, on va faire des bâtisseurs, ça va faire gagner des cases. Là c'est trop fort de gagner des cases gratos en faisant des pâturages. Je fais les bâtisseurs maintenant, comme ça c'est fait. Campus à plus 3, plus 3. Ok. Pouf, petite bombe. On va les aider en faisant ça d'abord. Le mec il part sans palais sur ce qu'il y a, j'ai pas compris pourquoi. Districts sont pré-built sauf ici. Malheureusement, ils sont tous un peu pourris. Il y a un attrait pas mal à côté ou pas hein? Là, à plus 3. Charmant. Époustouflant. On pourra le mettre en bas, mais pour l'instant on va attendre. Au niveau du score, est-ce qu'on est monté du coup? 133. Là du coup, est-ce qu'il s'est arrêté à faire des villes? Non, on devrait en avoir 3 plus que lui, s'il s'est arrêté. Ouais, c'est bon. Ok, c'est parti. Je sais pas combien de tours, en deux tours, on va commencer à le faire.
J'aurais pu faire un colisée, je pense aussi, mais. Il est où mon compteur commercial sur cette ville? On va faire le compteur commercial d'abord, ça rapporte plus de bonus. Ah, Palang, voilà. C'est quoi le requin? Source gear qui est dessus, normal. Inspiration pour foire médiévale. C'est possible à voir. On va essayer d'économiser quand même les warlords. Les... Il faudrait un petit colisée là, sinon ça va être assez hardcore. Est-ce que je peux échanger avec source gear moi? Non, pas encore. Donc je peux peut-être échanger avec mon pote. Il y a... L'ivoire contre de l'argent pour plus tard. Quelques bonnes cases pour. On va aller faire ça. Boum. Harmonement quand même. Partir sur mercenaire. J'ai un point. On va mettre là. Ça passe à 2 comme ça. Pouf. Personne en train de faire un worker, on est d'accord. 3 et 3, 6. Encore quelques tours. On repasse là-dessus. On fait une petite bombe. Paf! Oh, c'est la PLS pour cette ville. Pouf! J'ai pas compris pourquoi il me dit ça. La batterie est sûrement chargée, c'est bon, on va plus ce truc. En fait, ça, plus tu les fais vite, plus elles se développent. Hein. Le seul problème de faire beaucoup de villes, c'est les activités. C'est le seul problème entre guillemets. Il va juste falloir réussir à échanger nos petites ressources de luxe. Nice, encore un petit poney. On en avait combien de base? On en avait 3. Non, on en avait 2. On a nos deux là. On va faire ça. Boum.
Enfin, la nourriture, ça va, on va pouvoir les choper grâce à des routes. La quantité de collines de la map, c'est monstrueux. Alors on joue, il faut savoir que les parties multijoueurs sur ce groupe sont jouées avec le monde nouveau, ça augmente le nombre de collines. Donc là, c'est pour ça qu'on chope pas mal de collines. Le problème, c'est qu'on est en pleine colline, donc on chope pas trop de production. Je préfère avoir des cases prairie collines qui sont à 2-3 quand on fait une petite mine dessus en early game, plutôt que là, être à 1-4, notre ville commence à galérer à monter. Il est en guerre? Non. Hard. Ok, je pense que là on est bon du coup, on va commencer le petit campus. Ok, ça c'est bon, grenier. Ah, est-ce qu'il est rivière celui-là? Non. Petit follow encore. Auckland. Henchman422, merci de ton follow. Après, ça fait de la production parce qu'en fait, le jeu est pas opti pour faire des grosses villes. Mais faire plus de petites villes que des grosses villes sera toujours plus rentable. Donc avoir des collines, c'est bien, ça donne de la production aux villes. On n'a pas forcément envie de les faire grossir. C'est cool. Faire notre campus. Il nous faut nos négociants. Alors qu'est-ce qui se passe ici là?
Ça a l'air mieux comme ça déjà. Sept tours pour monter. Why? C'est pas envoyer des routes. On a bientôt fini nos bâtisseurs en fait là. Ouais, j'ai enlevé la carte après. Je pense qu'on sera bon. C'est qui lui? C'est Aiko, non? Ouais. Open border. Bonne nouvelle, les amis. Faire une plateforme commerciale. Hop. Il va falloir ça pour que ça soit pas mal. Il a combien de culture le monsieur là? 16. Nous on est à 29. Je sais pas combien sont les autres. Au niveau score, on commence à remonter en train de faire nos districts tranquillement. Que des puissants. Il faut plutôt de la nourriture. Ouais, donc là, on va aller à Canberra. Là, je pense que dans deux tours, je vais faire un petit district. Par contre, j'ai pas de truc plat pour faire un colisée. Donc, je vais pas être super bien au niveau des. Stolcom est là. C'est un complexe de loisirs. Très bien. J'accepte. Par contre, problème, il a déjà 5 dedans. Il va se faire saucer du coup le pauvre.
de prendre la prod sur cette ville là. Allez, on va passer là-dessus d'abord. Peut-être plus Brisbane. Ouais, Brisbane. Il y a que du plus 1 quoi. Chaud. Hop. On est bon. Je suis bien lent. J'ai la carte du premier émissaire gratos, on est d'accord? Faut avoir un Shizensa dans cette ville, elle va être godlike. Où est-ce que je peux construire un bon petit colisée? Pour moi, le point il serait là, il y en a 6. Pour rien, c'est une plaine inondable tout ça. Là? Le colisée en fait est nul, hein. Ça me sert à rien de le faire. On va terminer mon campus. Ouf, on peut peut-être échanger avec du monde par contre. On va répéter ça pour de la prod. Là. Quand il y aura plus de... Ah mais non. Follow de la part de STFXBX, tu es Trajan. Merci de ton follow. Non mais ils ont déclaré la guerre aux Russes direct, Russes et Japonais. Voilà les cibles. Madman quoi.
Attends, je suis à combien à Canberra en fait là? C'est quoi l'histoire? Je suis 6 sur 10. Je vais à Brisbane. Shop le Ricard. Très bien. Marché. Je suis en campement, je pense. Y'a pas d'Anna. Let's go, pas d'Anna. On a des golds, ça commence à arriver. On a tellement de collines à faire. Le Brésilien va peut-être échanger quelque chose. Du sucre. Contre ça. Oh le pauvre, il a pas encore son truc. Moi, je vais aller le faire. C'est la PLS de cette ville là. La PLS est grande. Complexe de loisirs. Je vais peut-être faire le point. Hein. Je vais le construire le complexe de loisirs quand même. Ça fera des meilleures routes. Par là-dessus, pour avoir des routes en plus, gratuitement, anti-marché. On va aller vers Brisbane. En fait, cette ville, le problème, c'est qu'elle est vraiment en PLS de nourriture. Donc, pour le moment, je peux pas vraiment la booster. Faire une bibliothèque. Points par tour, proximité, habitation plus 2. En fait, on est bien en habitation. Prendre production sur les merveilles. Les gens sont fous peut-être. Je ne comprends pas. Pourquoi ils font la guerre? Ok, je vais FK bio. Guerre froide et seconde guerre mondiale en même temps.
on est reparti. Ah, il y a la plantation qui fait plaisir. Le marché, le... Ouais, le marché, ça a l'air pas mal. Enfin, en vrai, un compteur commercial là, avec la production qu'on a, 4, 5, 6, ça toucherait 5 villes et on le fait en 9 tours après eux. De 3, 4, 5, 6. 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur le fer là. Et mon colisée là. J'ai oublié de prébuiler ça. On peut être à plus 5 là-dessus là. Let's go. Sans qu'il va pas faire long feu, notre ami. Notre ami le Warmonger là. La tête était un petit peu trop un tout petit peu mad dans ses choix. Je sais même pas quoi faire. C'est là qu'il y avait deux bonnes cases, faut que j'attende un peu. Pas trop quoi faire, bah je vais faire ça. Ok. Tu as plus ça au bonheur, faut que je continue à échanger. Continue à changer.
Padana vient d'être faite. Source Gear. T'es là combien? 21. Ok. Négociant. Ouf. Allez, un peu de prod. 7 tours. On y croit. Le mec a eu le temps de faire la Padana en temps de guerre. Intéressant. Japonais qui nique la propre cité-état dont il était le chef. Chelou. Ça m'a pêché, j'aurais bien voulu me mettre sur Stockholm, mais du coup. Regarde pour les guildes, c'est pas mal. Un P3, c'est nul. Faire un tigrenier avant que ça up. Université, let's go.
C'est un bâtisseur en bas là ou pas? Ah, je vais peut-être faire. Ok, on va partir sur les guildes après. Petit négociant. Les Onadus sont assez OP. Là, on va pas les faire, on va devoir faire la plateforme. Boum. Campus, plateforme commerciale. Faire un négociant pour l'instant, j'aimerais bien que ça prenne des cases. Hello, Congolais. Zinker 132, merci. Je sais que cette ville n'a pas... Pourtant elle est ultra bien quoi. Polo encore. Terralox, ah bah voilà. Le follow de Terralox. J'ai un, pour l'instant ça sert à rien. Pas long qui veut le coin, une caravelle. Situation pour l'église reformée, ça va être compliqué l'église reformée. Hein. Lisbonne, c'est quoi une caravelle? T'as du spam de follow, c'est juste dingue. Hein. Là, c'est du follow Grigouze. Tant pis pour le plus 5. Quel spectacle merde. Je pense qu'il va le crush alors que Palan qui va rester. Ok, les deux sont la guerre. Allez, on charge notre carte.
On va passer à 100% sur le bonus campus. On passe de 120 à 134. 14 de science. C'est pas oufissime en soi. Un tour la zone indu. Trois tours. Ok. Si on a besoin d'un petit grenier pour que ça up un peu. Retouche à combien? Pas beaucoup. Faudrait que je fasse un campement en fait. Ok, on est pas mal. Je peux regarder sa science au chinois. Un peu plus de villes que moi. Il a combien de science lui? Il tombe quand je veux en fait. Donc c'est pas vraiment un problème. Il y a 113 gold par tour. Putain, il fait plus de gold que nous. Il y a pas mal aussi sur ce gars. Je pense qu'il faut vite que. J'attaque ça. Faut que je fasse un campement là. Sinon, ça va être compliqué. Je me suis fait violer mon pseudo. Terralox. En fait, le truc c'est. C'est que j'ai un pote qui s'appelle Alox et j'ai lu trop vite. Ah non, c'est Terra Fox en plus. Terra Fox.
Ouais, Gorgo, c'est assez OP, on va dire. Un petit colisée. C'est bon pour la science, l'université. Besoin d'un poids de plus de gold. Sauf que il est bien dessus là. En plus les deux, je dois y avoir une caravelle. Pour la caravelle, je dois être où? Là. Pas besoin de faire ça tout de suite. Je fais la caravelle. Tellement de collines. Brio pause. Super deal up. Super échange en cours. Faut que je mette des points dans cette chose. Les guildes vont être intéressantes. On va doubler le bonus de proximité. J'ai plus rien à faire dans cette ville. Si j'ai une négociation à faire avant. Toujours en guerre les deux là. Franchement, Free. Free Congo, on va y aller dessus là. Tant qu'il est free. On va changer, on va prendre le bonus des plateformes commerciales doublées.
Oh, il a eu mieux, lui. Plus de gold. Mercantilisme, c'est fort. En plus, ça booste nos camps. Je prends ça d'abord. Petit négociant, là. Faire négociant et après j'ai commencé les cavaliers qui courent au bout de la nuit, qui courent vers l'aventure au galop. J'ai 2 points, je peux mettre à palanque. 7 points là-dessus. Je crois qu'il faut que je me grouille parce que l'autre il a déjà ses petits. Par contre, on les a coulés monétairement parlant là. On les a coulés niveau monnaie. Là, il va se mettre bien le... Combo, grande bibliothèque, j'en ai suspendu pour le monsieur. Du coup, dans les parties multijoueurs, il faut mieux viser les victoires au score. Non, pour viser la victoire militaire, faut viser la gagne. La gagne, ça se base... plutôt... faisant la guerre. J'ai pas tant de gold que ça. Mais là, faut pas que je perde de temps. Donc on va commencer les cavaliers à la chaîne. Et on va aller attaquer le monsieur. J'ai pris la carte plateforme commerciale. Pourquoi je peux pas la changer? Je vais attendre 3 tours. Non, j'attends pas 3 tours. Je vais le prendre maintenant. Université. Ils sont énormément sur Stockholm là. Il y a déjà le plus 2 qui a été repris ou pas? Ah, il parle japonais hein.
la caravelle. Je crois que je peux la faire là, la caravelle au pire. Peut-être plus rapidement. Quand elle va tomber hein. Ça va nous faire du mal au gold. Je sais pas combien de gold il était. Après il est en balistique. Attendre la dernière tour, je pense. C'est assez évident entre nous. Gold par tour. Aïe aïe. Je pense qu'on va falloir commencer à faire des choses. Ça me coûtait des golds en plus. Après j'ai pas la carte pour moins un gold par unit encore. Donc là on va l'enlever pour la mettre après. Et on va reprendre la quête qui donne 4 gold par route, ça va faire du bien. On va se remettre dans le dans les murailles. Alors un gold par unit. 50% de réduc.
qui l'a mis avec Non. Ce sera toujours la padane à le moins. Deux tours, c'est quasiment donné. Commencer à construire ça, on va essayer. Un petit bâtisseur. S'il faut attendre, de toute façon, on va faire une arena. Non, je vais faire un. Oula. Ah, ça y est, mais je peux les up en fait. J'ai oublié de prendre la tech, je suis trop con. Ok, mercantilisme au prochain tour. Faut que je garde mes points pour le bon. Hop, on va s'arrêter là. Tout ce qui nous appartient du coup. J'ai gagné la thune de toute façon donc.
C'est bon, on est assez up là. Comme ça, elle est pas obligée. Hein. Si quelqu'un me war, j'ai deux fois plus de prod. Aspan Hutch is one of the worst, but the worst was for Russia. Rushed by America on the same continent. On est sur les hélicos directement. Hop, banque. Marché. Université. Allez, on répare le monument d'abord. Non, on peut pas réparer. On n'a rien à réparer, c'est grenier. Ah, c'est un peu la free bataille parce que. Pas vraiment nous conteste. Personne n'a fait de port, c'est bon signe pour nous, pour nos villes maritimes. Polo encore, Cléopâtre.
chercher. On va parler moins haut. On va aller par en bas. Je pense pas qu'il va contester en fait. Ok. Sorry for this. Le full cave a quand même un gros problème sur ces 6, trop facile à faire et trop puissant par rapport à l'infanterie. Bah, c'est la mobilité qui les fait. Mais après, si le mec a. En fait, mousquetaire et canon de campagne, il défend facilement face à cavalerie. Là, le truc, c'est que le mec n'est pas très bon, donc. C'est sûr qu'un rush cavalerie sur des murs à 39, 3 coups de cave, c'est fini. C'est quoi cette ville là? Un commercial. What the fuck? On a pris des dégâts, le petit monsieur. Prendre l'XP nous. Gladys, Brio passe là. Ça va être chaud d'aller le chercher. On va plutôt se mettre là-dessus hein, dès qu'on aura un point.
chercher. Deux trucs intéressants là. J'ai reconnu à 3 points. Attends, parce que là il va peut-être le choper avant moi. Hein. 30 points. J'en fais 38. Chaud. Faut un petit projet de campus là. On fait un peu notre rapace là, mais bon, pas trop le choix. On va recruter ça direct. Hop, ça va faire du bien.
pour un single par tour. On gagne des golds en faisant ça. 95, on passe à combien de gold? Est-ce que c'est worse? 109, ouais, c'est worse. Faire un petit espion. Chaud, j'ai pas le temps de tout faire. Fait là lui. Okay, prochain tour. Ok. Quand est-ce que vous en 15 tours? Quand est-ce que vous c'est fort, hein? Combien de prod là? 27, 18, 14. Bon, on va le faire là, on va tenter le grand Zimbabwe. Why not? On va essayer d'aider cette ville au mieux. Ça, ça a été fait. On va faire un petit complexe de loisirs en haut là du coup. Hop! Allez, un marché. On répare ça.
combien l'Australie? We have to vote for it. C'est bon, il est mort. C'est quoi ces villes poubelles par contre? Hélicoptère tout 80. Yes. Ok. Ça veut cesser. Voilà où. Space create. Can you report, please? Ok, c'est le GG du coup. Je sais pas comment on reporte ça. Ok, bon, résumé de la game, on a farm. On a fait la stratégie basique. Savoir gold, science. Et on a déroulé. On avait pas mal de culture aussi. On a quand même récupéré assez rapidement les lumières là. On venait de les récupérer. 486 de science, c'est quand même pas mal. Là on allait récupérer ça, les villes en bas aussi. Il est où d'ailleurs le... Ah, il est là le Norvégien. Après c'est vraiment fort... C'est vraiment fort l'Australie. Hein. Il n'y a pas à dire, on a chopé des bons bonus en early game. Hein. Et sur les plateformes commerciales et sur les campus. Puis d'ailleurs on a fait un rush sur une personne. Les autres sont à combien? 200 de science. Ah, c'est un poil en dessous. Après c'est pas une mauvaise science pour un tour 90, hein, 200 de science. Parce qu'il peut très bien exploser dès qu'il a les lumières, etc. Mais après le truc là c'est qu'on avait récupéré plein de villes. On était toujours à plus 2 d'activité, donc on était bien niveau activité. Voilà. Après c'est encore une game déséquilibrée, hein. L'américain qui tombe direct, moi qui prends par exemple ce mec là, c'est pareil pour le chinois qui a snowball sur quelqu'un. Je sais pas s'il a plus de villes maintenant. Ça, j'ai mis en pause donc je peux pas vraiment. Spécial.
Au moins, c'est content. Je suis content d'avoir au moins une game avec Australie. Pour une fois que ça tombe. En plus, on avait quoi? Je sais plus, on avait un vieux truc. On avait la Russie, je crois. On a commencé la game vers minuit. Il est. Il est déjà 4h39. Ok, on va poser le truc à Canuck Soldiers. So. Alors, Sozuk de Source Gear. Plus. Comment il s'appelait le chinois? Brio Pones. Merci du follow Quark Charming. Je trouve le bon nom. Faut que j'écrive bien. C'est Brio Pose. Brio Pose. Ok, quatrième. Qui était le quatrième? Score. C'était le Brésil. Le Brésil, c'était Aiko. Robas Aiko. Le cinquième, c'était le Norvégien. Alors, qui c'était le Norvégien? Son nom, c'est Viva el Presidente. Viva el Presidente. Ensuite, c'était celui que j'ai attaqué, Doom. Ensuite, 6. Il y a un autre qui est mort assez vite. Dans l'ordre. Rip, load, tac 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 tac. Ok, on parle, on parle. Donc docteur Ryan. C'était le dernier, 9. Le huitième. Qui est mort avant? Viridios Doom. Là, il y a eu Doom. Il y a un Viritos, mais il y en a un qui est mort avant, je crois. Non, Viritos était mort par lui. Ah, bah, il y a Theodore Roosevelt qui est mort, qui a quitté avant Doom.
C'est lui qui manque. Et lui, c'est le 7e. C'était. Est-ce qu'il a voté à la fin? Ninja pro bro. Ok. N'empêche, tous les pseudos étaient bien lus. Ah ben bah voilà, c'est le sort qui s'acharne, j'ai envie de dire. Du coup, fin du stream. Aujourd'hui, on a fait 3 games, on a gagné 3 games. Ça va être pas mal pour le ranking. On a fait 2 games avec l'Egypte. On a fait une game Egypte. Non, on a gagné. On a fait une première game avec l'Egypte qui était scrap. Ensuite, on a fait Egypte. Egypte, puis... Égypte, Russie, Australie. On a joué des bonnes cibles à part l'Égypte, mais faut pas laisser l'Australie. Je sais pas pourquoi ça a pas été ban cette game. On l'a profité. Pour le développement, c'est ouf. Hein. Les bombes sur les pâturages, c'est trop bien pour gagner, enfin pour expandre son territoire facilement. C'est vraiment vraiment fort. Parce que là, on avait les hélicoptères dans 2 tours. On aurait pu commencer à faire des rushs hélico. Alors, il manquait un peu de thunes hein, par contre, mais bon, ça allait monter. On continuait à faire des banques et tout ça. On les aurait fait un peu partout après. Hein. Là, on commençait à avoir la production du coup sur ces villes là. On aurait été pas mal, hein, je pense, en science. On aurait eu 500 science avant le tour 100, c'est sûr. Je pense qu'on serait monté à 700-800. Puis après, on aurait fait des hélicos et on aurait bourré le mec. J'aurais peut-être fait le bait, genre j'avance toutes mes unités, j'attends un peu. Et ah non, il aurait peut-être déclaré la guerre. Il aurait pas déclaré la guerre, je pense pas qu'il aurait été bête. Il nous donnait 100% de prod. Ben voilà. Du coup, fin du stream, il va falloir que je fasse les cuts pour le stream. J'ai commencé à midi, ça fait 16h. 16h de stream, je pense qu'il y a eu au moins 100 follow dans la journée. Ce qui est oufissime. Je sais pas quel bug... Quel bug il y a eu. Bref, du coup, je streamerai sûrement demain, je pense, vers midi, le temps que je dorme et tout ça. Et puis, voilà. Donc, du coup, bonne soirée à tous. Merci d'avoir suivi le stream et je vous dis à demain. Salut, salut!